Voilà le pont, nous sommes comme ça au quartier Sodikombo. Le pont s'est carrément effondré. La population de Sodikombo est désormais piégée dans ce quartier. Elle ne peut plus vaquer à ses occupations tranquillement. L'école, c'est dans très peu de temps. On ne sait pas comment les enfants feront pour s'y rendre. Et donc, cette situation ne surprend personne. C'est comme ça dans ce pays. Personne ne sera interpellé comme d'habitude, nous le savons. Mais nous savons une chose, c'est que tout ceci doit changer un jour. Et ça va changer dans pas longtemps.